Mais non, je borde tout le monde avec les mains en l'air. Ça sonne pas en balance. On fait quoi? Pas facile. Hein. On verra, au balance, j'essaye les trois basses. Oh putain, j'ai oublié. 20 minutes. Les gars, le Stade de France, c'est dans 2 semaines. Je pense vraiment qu'il faut qu'on filme, il faut qu'on fasse une sorte de vlog ou quoi, des coulisses. Ouais, moyen chaud, les mecs. On a déjà fait ce genre de vlog. Moi, pour moi, ça suffit pas. Il faut une valeur ajoutée, un truc, quoi. Les gars, si on est vraiment chaud, on crée un son le jour même et on le joue devant 80 000 personnes le soir. On va pas arriver le jour du Stade de France avec une heure de répète pour faire un nouveau son et le faire devant 80 000 personnes. Les amis, ce soir, on joue au Stade de France en première partie de Soprano et on s'est lancé un gros challenge. Créer un son en une heure et le jouer devant des dizaines de milliers de personnes. Quelle idée folle! Imagine zéro réaction. Genre blanc total, rien. Ouais, oui, sachant que ce soir, je pense que c'est la plus grosse capacité dans laquelle on a joué. Et on va faire un morceau qu'on connaît pas et on a une heure pour l'apprendre maintenant. C'est juste, voilà quoi, c'est un petit challenge. Et mon ami Bitness, c'était le plus stressé quand on en a parlé de l'idée. Non, en vrai, je pensais qu'on allait oublier l'idée, tu vois. Il aurait aimé qu'on esquive. Il était pas chaud du tout. On verra. Au balance, ça sonne, comment ça sonne. Hein. Si ça sonne pas en balance, on fait quoi? Je sais pas, on n'a pas le choix. Il faut faire un nouveau morceau. Ce que vous entendez là, c'est une idée de mélodie que j'ai dans la tête depuis plusieurs jours. En arrivant en répétition, je l'ai proposé directement aux gars, ils étaient ultra chauds. Donc maintenant, il faut tout créer autour. C'est parti parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Là, il est 14h. À 15h, on doit être parti. Pas facile. Ça marche là ? Et pas que je vais prendre deuxième partie quand tu fais rien. Ça va faire. Il y a ce truc là aussi que je peux remettre du début de l'intro. Et là tu rentres dans le terrain. 30 minutes. On verra, on balance, j'essaye les trois basses. J'essaye. J'ai le choix entre différentes textures. Vu qu'on sait pas comment ça sonne vraiment en vrai, là on teste des trucs, mais après on verra pendant les balances, tu vois. Je testerai toutes les basses et on verra ce qui sonne le mieux. Là les transitions et tout, c'est encore... c'est naze, on construit bloc par bloc. Donc intro, drop 1, le pont et le drop final. Et ensuite on se refait tout pour les transitions, les enchaînements. Il faudrait un truc précis. Enfin, si c'est des à-coups, il faut que ce soit un truc imparable. Ça marche pas. Ce qui marchait le mieux, c'était le beat en fait. Ça. Il y avait l'impact du sub, toi le kick à fond, et voilà. C'est parti, hein. Une petite pression quand même là. Ça résonne énormément, du coup c'est dur d'entendre la précision du truc. Là on a fini les répétitions, ça va, mais c'est... Maintenant il faut qu'on répète dans les loges parce que là on l'a pas encore le morceau. En vrai de faire une balance comme ça avec le son, ça donne pas trop confiance en soi pour le morceau, mais avec un peu de répète, on a toujours su se débrouiller de situations dans ce genre, donc ça va le faire. Mais oui que ça va le faire. Et en fait ce qui rajoute aussi un truc très compliqué, c'est qu'en fait la scène comme on peut voir, c'est pas une scène normale avec tout le public là. C'est que la scène elle est au milieu du terrain de foot. Il y a 4 scènes en gros, où en fait tu tournes à chaque fois. Et c'est ça qui est compliqué. Et là t'as le frérot DJ Benz, juste ici. Mais non, on va voir parce qu'il faut vraiment qu'on parle avec lui aussi. Est-ce qu'on peut faire une danse de la joie? C'est ça la danse de la joie? Elle est nulle. Le frérot Benz, il fait la première partie avec nous aussi, oui, ce soir. Oui, c'est incroyable. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. On fait ça en famille ce soir. On va se prendre donc 2 heures dans la loge pour bien répéter les transitions et tout, mais... On va le faire. Oh, oh, oh putain, j'ai oublié. J'ai oublié ça. Dans 1h30. Ça marche pas la basse. Mais si ça marche. Vas-y. C'est pas joli. Hein. Je vais faire ça, attends, je peux pas aller plus bas donc. Faire comme ça, je pense. 20 minutes. Ça arrive, ça se remplit. Ça met un petit coup de pression quand même. Les gars, bon courage. On monte sur scène maintenant, c'est parti. Maintenant, je vais voir tout le monde avec les mains en l'air. Pour l'instant, le concert se passe au top. Les gens sont ultra chauds, le public est ultra réceptif
Mais maintenant, avant de quitter la scène, place au nouveau morceau. Je vous avoue qu'à ce moment-là, la pression est très très grande. Le prochain morceau, mesdames et messieurs, on a besoin de vous. On va faire un chant avec Misty. Vous allez le répéter avec nous le plus fort possible. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Les gradins aussi, hein. C'est parti. À vous. Ça veut rien dire. Nous, on a vraiment respecté nos parties, il n'y a pas eu de 3D erreur, j'ai l'impression. Non, franchement, c'était bien. L'exécution était cool, je pense. On s'entendait bien dans nos oreilles, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça rendait en face parce que ça résonne tellement dans le stade que c'est très difficile d'entendre la précision. C'était maîtrisé et malgré le nouveau morceau, au final, on a pris vraiment du plaisir sur chaque morceau. Ouais, c'est clair. De notre point de vue, c'est un challenge réussi. Mais après, à vous nous dire en commentaire. Challenge réussi! Dites-nous en commentaire, est-ce que vous avez kiffé ce morceau? Et peut-être qu'on peut le bosser et... le sortir en mode... Pourquoi pas le sortir, hein? Non mais venez, on fait un mode... On fait une vraie vidéo YouTube, on refait le morceau, tu vois, en mode propre. Comme ça, moi, les gens pourront voir aussi la compo, comment ça se passe. Allez. En mode no instrument, comme à l'époque, si vous êtes chaud. C'est dans les commentaires que ça se passe. C'est Julien, notre vidéaste, qui va finir la vidéo. Et on fait ça parce que c'est le gros kiff de Wawad de faire ce geste-là avec la caméra. Voilà. Du coup, et 1, 2, 3... Il fait ça. Et t'accompagnes avec les jambes, tu vois.